Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format sur ma chaîne YouTube. On va parler de Dancer, qui est un logiciel de colo assez poussé et qui est disponible sur DaVinci, Premiere Pro et Final Cut Pro. L'équipe de Dancer m'a récemment contacté pour tester leur logiciel gratuitement et réaliser un retour en vidéo afin de vous montrer comment le logiciel fonctionne exactement. Pour cette vidéo, j'ai sélectionné quelques rushs filmés au cours des années. Du coup, on va commencer avec un premier rush qui est juste là. Utiliser Dancer, il suffit tout simplement d'aller dans la partie effet qui se situe là à côté de transition. Vous pouvez taper Dancer pour que ça aille plus vite. Prenez Dancer et vous le placez sur votre rush. Paf, on enlève ça. Du coup, le panneau Dancer se présente comme ça. Il est assez long. Il y a plein de choses à voir, mais on va les voir une par une. Du coup, généralement, là, ce qu'on fait pour commencer, c'est qu'on va convertir notre fichier. Notre fichier, du coup, S-Log ou C-Log, en fonction de ce que vous utilisez, ou plein d'autres choses. On va le convertir en Rec 709. Du coup, là, ce qui est bien avec Dancer, c'est que j'ai pas besoin de poser un LUT. Je peux directement aller sélectionner la caméra que j'utilise. Du coup, on va dans source caméra, vendeur Sony, caméra FX3, format, et là du coup moi je suis tout le temps en gamut de ciné, soit en ISO, bon là il y a écrit 640 mais la base c'est plutôt 800 généralement, et 12800, du coup là j'étais en 800, paf, le rush a été converti du coup, on voit l'avant après. Alors ce que j'aime bien faire aussi, avant de toucher au reste, c'est aller dans le grain, qui est juste là, film grain, et je l'enlève pour le moment. J'en ai pas besoin, ça apporte pas grand chose pour le moment. J'aime bien rajouter le grain plutôt sur la fin généralement. Du coup, on retourne en haut. Alors ici vous avez votre panneau assez classique. Ici vous avez votre panneau assez classique au final, pour gérer l'exposition. Donc là, on n'est pas trop mal. Ici, vous pouvez gérer la température. Donc froid, chaud. On va le réchauffer un tout petit peu. Ensuite, la teinte. On va partir très légèrement dans le magenta pour compenser un peu tout ce vert. Alors, ensuite, on passe au panneau film. Dans le panneau film, du coup, vous pouvez sélectionner une quantité assez folle de films à poser, de profils du coup. Généralement ceux que j'aime bien pour le moment, ça va se situer dans le Kodak Vision 50D. J'aime bien aussi... Où est-ce qu'il est ? CineStyle 50D, il est pas trop mal généralement, du coup là je pense que je vais partir avec lui. Là vous pouvez gérer directement la force en fait de ce profil. Donc on va l'augmenter légèrement, du coup on voit l'avant et l'après. Et on va dire comme ça. Film développé ensuite, paf, on l'active. Du coup ça vous permet de gérer le contraste. Correction gamma. Alors il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas trop de différence de lumière ici. Donc le contraste on va l'augmenter un petit peu. Séparation des couleurs, ça vous permet de gérer les couleurs entre les ombres et les hautes lumières. Ensuite le color boost, ça vous permet du coup de passer d'une image très désaturée à une image vraiment trop saturée pour le coup. Là on va l'augmenter un tout petit peu, peut-être par là, ouais c'est bien. Ensuite la film compression, c'est vraiment quelque chose de cool ça. Alors je sais pas si vous voyez en live ce que ça fait exactement. Du coup si vous regardez bien les hautes lumières au niveau de la main, si je désactive, on voit que c'est quand même une partie qui est cramé, tandis que quand j'active le film compression, on récupère les données qui étaient presque perdues au final. Du coup on peut gérer l'impact, donc là c'est sans le filtre, enfin sans le film compression, et là c'est avec à fond. Généralement j'aime bien l'utiliser avec parcimonie en fonction des scènes toujours, il n'y en a pas tout le temps besoin. Hop, on peut gérer le white point, on va le laisser par là.
tonal range, ça c'est pareil, on va avoir une image très, très plate au final, plus on va faire partir à droite celui-là, du coup on va laisser par ici, densité de couleur, hop, par là, du coup on passe de ça à ça. On a quand même récupéré pas mal d'infos dans les zones qui étaient un peu trop exposées à mon goût. Je trouve ça plutôt cool. Hop. Ensuite, on passe au expand. Du coup, ça nous permet de gérer le point noir. Point blanc. Et là, pour le coup, comme j'ai déjà plutôt... On va pas toucher au point noir, on va juste toucher au point blanc. On va rééclaircir un tout petit peu. Color mode, on laisse tendance à le laisser en normal, en noir. Ça change pas des masses. Ensuite, ici, on a le print. Du coup, le print, ça vous permet d'utiliser Cinéon Filmlog, Fujifilm 3513 Print Film, Kodak 2383 Print Film et Kodak Endura Glossy Paper. Alors moi, soit j'utilise le linéaire généralement, soit en fonction de mon rush, je regarde lequel s'adapte le mieux. Ici, le Kodak s'adapte plutôt bien. Maintenant, on peut gérer directement ce film ici, ce print. Pour régler exactement comme on veut, là on va pas toucher à ça. Tonal non plus. Intensité de couleur non plus. Saturation non plus. On peut activer ça. Analog range limiter. Du coup, de ce que je vois sur ma courbe, une fois activé, ça va réduire les ombres et les hautes lumières. Tout simplement. Ça va un peu, du coup, aplatir mon image. Et j'ai pas forcément envie de le faire. Ensuite, ici, on a un panneau assez simplifié qu'on pourrait retrouver sur tous les logiciels pour gérer du coup les couleurs. On peut choisir de gérer ces couleurs soit en groupe, soit individuellement. Du coup, on l'active. Et voilà, ça nous permet du coup de partir plus dans les bleus, plus dans les jaunes. Magenta, c'est pareil. Et là, c'est pareil aussi. Du coup, c'est vraiment pour donner le... On peut se servir de ce panneau pour donner un look couleur. Mais personnellement, j'ai tendance à... pas utiliser ce panneau. Et une fois que j'ai fini d'utiliser Dancer, je vais rajouter du coup une correction de couleur que je vais vous montrer juste après. C'est le procédé assez classique sur Final Cut Pro. Vraiment, Dancer Pro, j'aime bien l'utiliser pour rajouter tout ce qui est film développeur, film compression, choisir du coup mon film, mon profil, et ensuite, j'aime bien l'utiliser aussi pour le grain, et pour les fameux Aliation et Bloom. Du coup, on va commencer par Aliation, on va l'activer. Bon, là pour le moment, on voit pas grand chose encore. Ensuite, en masque, on peut utiliser le masque et en fait ça va nous faire ressortir toutes les zones en rouge qu'on voit très, très subtilement ici. Hop, on va l'amplifier, commencer à un peu plus les voir. On va enlever le masque pour montrer un petit peu ce que ça donne du coup, sans aliation et avec. Ça fait ressortir une espèce de... presque de bloom rouge autour des zones lumineuses qui sont juste là, du coup, sans, avec, l'impact on peut aussi l'augmenter, la smoothness, l'augmenter, enfin bref, pour vous montrer exactement ce que ça fait, on va tout mettre à fond, on passe à adapter, là on voit que c'est clairement too much, du coup moi j'ai tendance à régler ça assez subtilement pour que ça soit visible, mais pas trop. Là, ça me paraît pas trop mal. Le bloom, tout le monde sait ce que c'est. Pour l'occasion, j'avais déjà filmé ces rushs avec un filtre mist de chez Nizi, 1/8. Du coup, je pense pas en rajouter en particulier. Mais pour vous donner une idée de ce que ça fait, voilà, avec et sans. Et ensuite, on peut gérer individuellement. Du coup, cet effet-là, bloom en particulier, je trouve que c'est pratique dans la mesure où si vous avez filmé
avec un filtre, mais que la densité ne vous convient pas, vous pouvez l'amplifier. Mais si vous avez filmé sans filtre mist, vous pouvez directement réaliser l'effet du filtre via Dehancer Pro, et c'est plutôt propre. Ensuite, on a le vignette. Alors, Film Brace Get Reeve, on va pas les utiliser pour ce coup-là, je vous le montrerai probablement une prochaine fois. Ici, on a du coup un panneau qui est assez sympa, ça vous permet de voir les fausses couleurs. Pour ceux qui ne savent pas lire les fausses couleurs, du coup, la partie haute, c'est tout ce qui va être surexposé, la partie basse, c'est tout ce qui va être sombre. Ça vous permet vraiment de voir précisément sur votre image si vous avez trop de parties surexposées ou trop de parties sombres, et de rééquilibrer en fonction de ça. Clipping Indication, ça vous sert à savoir si votre image est surexposée quand vous l'éditez. Et enfin, ce qui est cool, c'est le LUT Generator. Si vous aimez un look que vous avez donné grâce au panneau Dehancer, du coup vous pouvez l'exporter et le réutiliser directement pour vos prochains rushs, sans avoir à repasser par le panneau Dehancer et avoir à tout faire manuellement au final. Et ça, c'est vraiment cool. Donc là, on va pas le faire. On va retourner vite fait côté grain, parce que je ne vous ai pas encore montré. Du coup, quand on active le grain, paf, on va zoomer un petit peu parce qu'on s'en aperçoit pas trop là. Voilà, là, pour le grain, on voit que ça a été de rajouter de manière assez exponentielle. On en a beaucoup, beaucoup. Un peu trop à mon goût même. Du coup, le film type négatif, j'ai tendance à le passer en positif parce que le positif, il me paraît plus doux globalement. Je laisse en analogue parce que le digital, bon, c'est expérimental apparemment pour le moment. Mais j'ai regardé, je suis pas trop satisfait globalement. Pour la taille, vous pouvez choisir vraiment la taille du grain que vous souhaitez. J'ai tendance à rester entre 1 et 4. On va se mettre à 3 pour l'exemple. Vous pouvez choisir la quantité de grain que vous voulez afficher. Du coup, si vous voulez faire vraiment un effet très grainy et très, très rétro, c'est facile à faire. Très facile. Et puis l'avantage avec Dehancer, c'est que c'est vraiment du vrai grain cinéma. Pour le grain, moi, la quantité, j'ai tendance, l'amount, du coup, quantité, j'ai tendance à mettre autour de 3 à 6 avec et sans, paf. Ça rajoute du coup un petit peu de caractère au trush, et vous n'avez pas ce côté parfaitement net et lisse que je déteste. La résolution du film, vous pouvez choisir exactement la résolution du type de film que vous voulez. Là, on va rester par là, ça me paraît pas trop mal. Ensuite, vous pouvez gérer l'ajout de ce grain dans les ombres. Si vous voulez qu'il soit plus prominent dans les ombres, un peu moins dans les midtones et un peu plus dans les highlights, par exemple. Hop, la chroma, du coup, c'est dans la couleur. Mais là, pour continuer, on va rester assez bas dans les valeurs. On va regarder l'avant après. Hop, c'est très subtil. On va zoomer encore plus. Hop, pas de grain. Et le grain, très léger. Quand on dézoome, on s'en aperçoit presque pas. Et voilà comment on édite du coup son rush avec Dehancer. C'était globalement facile, rapide. Le panneau paraît grand. Il y a beaucoup d'informations, mais il est mis de telle sorte que vous avez juste à passer du haut vers le bas et faire vos réglages au fur et à mesure sans avoir forcément à revenir en arrière. Et c'est plutôt bien fait.